Allô? Allô, Allô, allô? allô. Allô, allô. Allô, 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 monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? dites-moi. Je l'ai vu la dernière fois, je Eh sais pas ça à ben, toi. Enfin, j'ai vu dormez. le. Non, mais non. J'ai vu un truc où ça le disait. Je fais, ah, je connais ça. Ça fait longtemps que t'attendais ou pas? Bon, 3 heures. Ah, merde. Souris, hein. Qui c'est? Je vois Bonjour. rien. J'ai de la suie dans les yeux. C'est où? Je suis le miracle de Sabot Ardent. Ça alors, c'est la première fois que je croise une main du destin. Il va vous falloir du meilleur matériel. Fourdec. Bon, je ne peux pas vous vendre d'armes ou d'armure moi-même, car j'ai un contrat d'exclusivité avec la couronne pour alimenter les distributeurs. Oui, je suis fière d'appartenir au complexe militaro-pré-industriel. Mais je peux vous proposer d'optimiser votre Merde, c'est inventaire. brut. Plus de balles, plus de butin, plus de joie. Un petit échantillon de mes services, c'est moi qui régale. C'est la musique, ça. C'est là. Ça fait de la musique, hein. Mais quoi, je sais pas. Ta 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 ta. Ça, j'y reconnais. Je vais voir ce qu'on peut faire avec les sous. Maintenant, puisque vous êtes dans le coin, passez donc voir la charmante nana qui tient la taverne à soda. Elle s'appelle Izzy. Non, mort, et ses non. sodas Moxie. Non, pas Izzy. Sont tombés par terre. Non, non, tu mens. Tu mens! T'appelles pas Izzy. La tenancière vous fait signe d'un. Bonjour! De ce petit geste caractéristique des tenancières. Tu retiens pas, Moxie? Bonjour! Pas du tout. Bien oh là, sûr, tenancière! Dans la bubule, où l'on ne peut commander que des sodas et rien d'autre! Hein? C'est bien vous, la main du destin, qui a banni tous ces maudits squelettes? Non. À vrai dire, bannissement est un sort de haut niveau qui. Oh, c'est trop subtil pour vous. Alors, disons que. Ouais, bah je vous remercie pas. La moitié de la ville s'est barricadée ici à descendre des diabolos grenadines comme si demain n'existait pas. Je vous fais marcher, main du destin. Vous nous avez rendu un fier service. Bref, pour vous remercier d'avoir sauvé la ville, je vous donne accès aux équipements de notre taverne à soda. Tu vas mourir et appeler Moxie. Ouais. Non? Voici tu veux pas? Un kiosque modif éclair magique. Si vous souhaitez modifier quelque chose vous concernant. Bizarrement, c'est gratuit. Elle est bizarre la statue au-dessus quand même. C'est par ah oui. ici. Oh, mais je vous tiens la jambe alors que vous avez tant à faire. Je vous souhaite une pétillante journée. Main du destin, j'ai une surprise pour vous. La reine est tellement épatée qu'elle veut vous adouber. Oh. Vous faites pas semblant, vous. Rejoignez-nous, place de la crinière. Bon, on a fait la quête des villes de Valentine. Maintenant, on va piller la région parce que je veux du butin. Quoi? Mais non, les héros ne pillent pas, enfin. On a si. Presque fini la quête. Je veux voir ce que ça va donner. Bah voyons. Accepté. Bonjour, sale pauvre. J'ai un ah, souci de gobelin. Rendez-vous à ma ferme si vous avez soif d'argent et de violence. Direction mon jardin aromatique. Et que ça saute. Allô? C'est moi. Je suis abrégé des talons et du coup... Pour votre courage et pour avoir sauvé Sabot Ardent, Sa Majesté la Reine et Talon du cul vous nomme chevalier de son royaume. Eh ouais. À genoux, qu'elle vous adoube. Pas si vite, Bleuzaille. On le roule. Ce monde m'appartient désormais. Oh. Oh, mais non. Ah non, hein. Non. Ah ouais. Mais non, même pas étalon du cul.
Ah ouais, eh ben voilà, fin du jeu, merci d'avoir joué. Allez, bien. Salut, Alt F4, terminé, bonsoir. J'en ai assez qu'on écrive mon histoire à ma place. L'ère des héros touche à sa fin, et bientôt, tout son monde s'écroulera. Mais non. Non, c'est pas possible. La reine est morte. Et talons du cul. Non. Niveau 10. Comment t'as pu, Gina? Je sais pas, moi, c'était pas prévu comme ça. Laissez-moi réfléchir vite, vite. Elle comptait vraiment te resservir le sempiternel même périple des héros. Eh bien, pas cette fois. Cette fois, j'ai mon mot à dire. Ok, bon. Alors, un gros boom des familles résonne. Bon, on fait quoi maintenant? Ça vient de derrière les quais. Allez, main du destin. J'ai bien peur que vous ayez du boulot. Elle m'aimait de tout son cœur, scintillant. Elle me manque tellement. Oh. Ah oui. Ah oui. D'accord. Oh non. La peuramide s'est réveillée. La peuramide. Pourquoi il y a des cheveux là? C'est quoi une peuramide? Ah non, c'est C'est le jurassique. De l'autre côté de l'océan. Ça te ressemble. Avec la lame des âmes, des cheveux. Il va pouvoir aspirer l'énergie spirituelle de tous les êtres vivants du royaume. Sans la reine, nous sommes condamnés. Hé, hey, demande-lui si l'adoubement est toujours d'actualité. Fred, on est en deuil, là. Toi, tu es en deuil. Moi, je veux qu'on me fasse chevalier, comme promis. Pardon de demander, mais pour l'adoubement, c'est toujours OK? Seule notre reine avait le pouvoir de nommer des chevaliers. Mais vous méritez une distinction pour ce que vous avez fait et pour ce qui vous attend. À genoux, main du destin. Ou accroupissez-vous si vous avez de l'arthrose. La vie n'est plus la même sans notre reine. Qui vais-je pouvoir vénérer à présent? Les dieux anciens? En tant que défenseur régent de Sabot Ardent, je vous nomme page du royaume. Oh wow. Page? Non mais il se fout carrément de nous. Je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Votre prochaine quête va consister à sauver le royaume tout entier. Rien que ça. Rejoignez la pyramide, reprenez la lame des âmes et vengez notre reine. Il va vous falloir un navire. Allez voir la maîtresse de port. Elle mettra toutes nos ressources à votre disposition, main du destin. Bon. Hé hey, bonjour à vous, page du royaume. Trop bien. Merci de le titre. On a besoin d'un bateau. Si possible, pas en feu. Construisons sans tarder. Et qui flotte. Venez assembler votre nouveau navire ici sur le quai. Ah oui, c'est pas des petits bateaux quoi. On est que deux hein. Ah, on doit quand même bosser quoi. C'est le plus beau navire de toutes les mers. Non. C'est une épave. Ouais. N'importe quoi. Je vais baptiser notre fier navire Balzania. Attendez. Avant de partir, vous devez faire bénir le bateau par un barde. Oh. Ça empêchera Drill, l'étreinte des mers, de vous attirer tout. Et toi, t'en penses quoi du bateau? Il est moche, hein? Sérieux? Yes. Mais on était prêts à prendre le large, on s'en fiche des malédictions marines. Non, on s'en fiche pas. C'est non, comme non, ça non. que ça marche, basta. Si tu suis pas les règles, tu te feras engloutir. Malheureusement, notre barde d'astreinte a disparu dans l'invasion. C'est pour ça que ça sert à rien, la musique. Si les morts vivants ont pu faire tomber des gardes armés, vous imaginez ce qu'ils ont fait à un type avec un luth? Pas du tout, il est tombé amoureux d'un squelette et a filé avec. Une seule autre personne est capable de bénir votre navire, Foxy. Mais ce n'est qu'un demi-barde. Enfin bon, c'est peut-être votre seule chance de traverser l'océan. Claptrape. La dernière fois que j'ai vu le demi-barde, il partait vers la fraîcheur des sanglots. Ces bois sont implacables. Trouvez-le. Enfin, s'il est encore en vie. Oh, la fraîcheur des sanglots. Ça a l'air dangereux, ça me plaît. Alors soit on trouve le barde, soit on peut mettre les voiles directes. Hein. Le magique, au nude de Saboarde. Désolé, tu viens de dire au nude? Ouais, les points cardinaux de la fantaisie.
Le nude, le swag, l'esbéton et l'ouèche. Vous n'avez pas lu le manuel de la brutasse? J'ai regardé les images. Il y avait le type à l'épée et le type à la dague. Attends, c'était le même? Non, 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 ne me dis rien. Je veux pas me faire spoiler. Bonjour. Mon jardin est infesté. Je suis riche, et vous, vous n'avez pas un radis. Tuez-les, et je vous paierai. Droit au but. J'aime votre style. Éliminez la vermine, et je vous jetterai quelques piécettes. Et oh. Des gobelins. Oh. Mais... Mais... Les avez-vous tués? Parfait. Revenez me voir. Ah, je me suis raquitté. Serait-ce des dents du gobelin? Pourquoi? Mais pourquoi diable les avez-vous ramassés? Un souvenir. J'ai pour habitude de collecter divers trophées. Ah ouais, un petit collier. Mes victimes. Pardon? Oh, pardon. Et je suppose que je dois m'en débarrasser pour vous. Ah, bien. Voilà votre salaire. Mais que je ne vous revois plus, vous et votre personnalité repoussante. Non ! Ils sont morts ! Oh, mes plans sont tombés à l'eau ! Qu'est-ce qu'elle a ? Je sais pas, c'est tombé à l'eau. Et si elle voulait qu'on crève ? C'est elle, à mon avis, qui avait fait ça. Bonté divine ! Qu'avez-vous fait ? Quelle création infâme seriez-vous prêt à faire par amour ? Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Nous, on rend service, hein ? Vous avez tué mes gobelins ! Ah bah oui ! Vos gobelins ? Expliquez-vous, fermière. J'ai attiré ces gobelins exprès. Voyez-vous, je suis amoureuse de l'alchimiste. Mon plan était de débouler, vaincre les gobelins aussi secs et sauver son jardin aromatique. Mais maintenant, loupé, hein. Comment je fais, moi, pour la séduire? Ah, ok. Tuez un sanglier, puis roulez-vous dans son sang. Ah bah merci, ça m'aide vachement. Bon, allez lui porter ses fleurs. Te calme faire toi-même. Merci. De rien. Avec un peu de chance. On sera mariés d'ici le coucher du soleil. Ah oui, ça va vite. C'est qu'il existe au moins. C'est Twinder. Bonjour. Ding dong. Encore vous. Que me voulez-vous? J'ai un petit cadeau pour vous. Encore des dents? Eh bien, qu'attendez-vous pour me le donner? Des fleurs? Mais qui les envoie? La fermière. Elle vous aime beaucoup. Cette pecnode ne m'arrive pas à la cheville. Je m'intéresserai à elle, à la Saint-Glinglin, quand les poules auront des dents, ou lorsqu'une gobeline à poids me déclamera un poème d'amour. Bon vent. Oh putain. J'ai bien entendu. Une gobeline à poids poète. Oh. Eh ben, franchement, c'est dans mes cordes. D'abord, on doit attirer un autre gobelin. Trouvez-moi le pagne de gobelin le plus puant qui soit. Non mais... On va pas lui enlever son caleçon. Une raison. Elle vous a éconduite. Ah bon? Je sais pas. Il y a qu'un moyen de le savoir, pas vrai? Je prends le pagne. Récupérez le pagne le plus dégueu qu'on puisse imaginer. Oh, attends, notre gobelin doit être le plus crado possible. La vache, ouais. Je le sens presque d'ici. Rapportez-le-moi. Oh, parfaitement souillé. Il sera le fumant fumier sur lequel notre amour fleurira. Oh, nice. Un instant... Et voilà. À présent, attirons un gobelin. Relâchons le musc. Oh, et j'aime autant vous prévenir. Oh la gueule. Le labo est probablement truffé de pièges. Je ferais gaffe si j'étais vous. Qu'est-ce que je fabrique là, moi? J'ai senti quelque chose de délicieusement infect, mais je vois aucun gobelin sexy. Tu es ici au nom de l'amour. Non, mais je voudrais pas faire obstacle au grand amour. Je vais y rester du coup. Sois bénie, ma chère Glornèche. Sois bénie. Trouver de la teinture à pois. Il a fait du vent. Ah, ça a changé, Zelda. Non. Oui. Oui. J'ai fait la même, je suis relevé trop vite. Oh, mais c'était un test. Allez, pouf pouf, on recommence. Hein. Mais non. Si, si, on recommence. Merde. Ah là, tu sais sauter par dessus. Bah ouais, j'ai essayé aussi, mais ça marche pas. Eh, descends de ton nuage magique là.
Nuage magique. Bon, donnons pour Gertrude là. Donnez-moi la teinture. Ça va être quoi, Gertrude? Une petite lichette et... Bon, toute la bouteille. Tant pis. Ah bon? Oh, mon dieu. Ça a marché. Elle est pas mal du tout. Oui. Pour une gobeline. Bien, maintenant, il lui faut de la poésie. Mais oui, allez au cimetière des Rimailleurs rétamés. Mais elle est dégueulasse, là. Qu'est-ce que tu nous dis? Non, elle est très bien, apparemment. Vous vous rendez dans un endroit où des dizaines de bardes sont morts dans un concours de poésie. Ah, mais là, on pouvait pas y aller, je crois. Légende, ils si on pouvait, là, regarde. Ténébreuse magie à vous retourner le cerveau. L'éloquence. Chrome citron. C'est éclatant. Revenez me voir et je pourrai faire de notre séduisante gobeline à poids une vraie poétesse. Non, vas-y, vas-y. Vous avez bien dit séduisante? Quoi? Non. Enfin, je veux dire, pour une gobeline. Je vous interdis de me juger. Non. Nous, c'est vraiment pas notre genre. Hein. L'essence poétique. Super, super. Oh. Voilà, ça y est. Mais est-ce que notre gobeline sera à la hauteur? Bon, je dois maintenant tremper l'essence poétique dans l'eau, comme ça. Dis donc, Glornesh, tu pourrais me dire quelque chose? J'ai beau être une gobeline pecnaude, à ta simple vue, je minaude. Ne va pas croire que je badine. Depuis toi, j'ai le cœur grenadine. Oh, toi alors. Voilà. Je sais plus où me mettre. Ville flatteuse, va. Pardon. Vous voulez bien aller voir Alma? Non, mais bon. Où on en était? Ding dong. Une quoi encore? C'est Renou. Oh, c'est vous. Sale pauvre. Eh oh. Mes félicitations. J'ai pour vous une gobeline à pois poète. Mais quoi? Vraiment? Très bien, montrez-moi. Malheureusement. Je suis pas du genre à rentrer dans le moule. Tes beaux yeux, fermière, me rendent ma boule. Tu travailles au champ et le sol est biné. Je crois que j'ai trouvé ma dulcinée. Quel homme? Oh, enfin, quelle femme? Me voilà bien attrapée. Quel gobelin? Plutôt impressionnant. Dis-moi, comment as-tu fait? Je reconnais t'avoir sous-estimé. Pour une sale pauvre de ton acabit, tu as clairement de la ressource. Que dirais-tu d'aller boire un verre? Mais non. Quoi? Non, merci. En fait, ça m'intéresse pas. Je me suis fiancée à Glornesh. La gobeline? Elle est plus costaude que toi et deux fois plus jolie. Ah bon? Va te faire distiller un filtre d'amour et trouve-toi ta propre gobeline. Et bim. Ok. Quoi? Comment oses-tu? Sais-tu seulement qui je suis? Je... Oh! Oh! Ah, oh, oh, ah, bravo! Bien, bravo! Hein. Dites, je peux vous toucher un mot? Ouais, juste un mot. Hein. Touche pas autre chose. Hein. Je sais que ça peut sembler étrange. C'est un long mot. Mais l'alchimiste n'était pas faite pour moi. Glornesh, en revanche, me comprend. Nous étions faites pour nous aimer. Et tout ça, c'est grâce à vous. L'amour est certes le plus grand des cadeaux, mais peut-être que ce petit quelque chose apaisera votre cœur solitaire. Merci encore. Je suis ensorcelée. Je ne vois rien alentour. L'amour est dans le pré et même dans la basse-cour. Glornesh, viens, je vais te montrer ma chambre. Depuis le temps que j'attends ça. Salut les filles. Amusez-vous bien. Oh putain les gars, sérieusement, quoi ce cul? Pas que le cul, hein, que je... C'est bon ou elle a un verre à la main? Genre une coupette de champagne. Ouais. Bah elle a bon goût. T'as vu, t'en empêches son soutif, c'est des coudes. Oui, malheureusement, j'ai vu. Malheureusement, j'ai vu. C'est bien, ça vous habitez côte à côte en plus avec la chimie, avec l'herboriste. Ouais, c'est bien, elle va être contente. Ah, nous, on vous épie jusqu'à la fin. Hein. Ah bah ouais, non mais nous, on est curieux. Hein. Vous nous connaissez pas. Hein. Une fenêtre. Amusez-vous bien. Salut. Hein. Vous voyez un artisan qui a l'air préoccupé. C'est quand on s'apprête à être occupé. Non, pas du tout. Tu veux parier? Je suis bigrement préoccupé. Tina t'a fait tomber un biscuit apéro sur le plateau. Quoi? N'importe quoi. Il est juste là, en plein devant notre personnage. Qui te dit que c'est un biscuit apéro? C'est...
une météorite antique tombée du ciel il y a des millénaires. Et elle a une serrure. Ah oui. Donc, vous devez vous taper un donjon que j'avais clairement préparé à l'avance pour récupérer la clé. Bah voyons. Ah, admirez mon donjon totalement préparé. La clé doit être à l'intérieur. Elle est pas censée trouver une clé. Bah ah, normalement si, mais bon, on va passer le portail et faire « Eh, c'est bon, il n'y avait pas besoin de clé et tout. » Bon, pareil. Je suis bête, c'était qu'un curly. Ouais, ça va être un peu ça, je pense. Terrible. Ah non. Et encore. Vous avez atteint la salle finale. La clé météorique est gardée par un gros méchant. Fallait le dire, en fait, j'étais en train de boire mon café. Ça crève les yeux. Aïe. Moi aussi, je pouvais le faire. La clé qui ouvrira la serrure du biscuit apéro. De la météorite antique. Ok, on ouvre la serrure du biscuit apéro. Vous insérez la clé dans la serrure et la météorite antique se met à léviter avant de retourner de là où elle venait dans le ciel. Tu comptes vraiment pas admettre que tu l'as fait tomber sans le faire exprès, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Mes schémas. Oui, les schémas. J'aime ces schémas de tout mon cœur, au sens romantique du terme. Je vis une relation polyamoureuse avec mes esquisses. Ah mais décidément. Allez, réparons ce pont magique. Un gobelin, un pont, des schémas. Un pont arc-en-ciel magique pour unir le monde. Oui. Passez une bonne journée, mais tâchez de ne pas mourir. LGBT. Du coup là, on ferait BCBG. Le mont Jabot. De la neige. Rigolasse. Que vos yeux d'elfes. Bonjour. Hey, salut toi. Tu viens rejoindre notre noble cause ? Non. Je sais pas, mais... Nous sommes la brigade contre les brutalités faites aux gobelins. Ah. Des combattants de la liberté, en somme. On est d'accord avec toi. De ton arrivée parce que j'ai déjà protégeons les gobelins. Battre mes verrues. La cause de la liberté gobeline me tient profondément à cœur. Mais pas autant que de gagner de l'argent. Oh, il y a évidemment une récompense à la clé. Mais on doit d'abord briser les chaînes de l'oppression. Bats-toi pour la liberté des gobelins. Oui. Et mets fin à la tyrannie du dragon dieu Vorkanar. Minute. Je suis d'accord. J'ai pas rêvé. T'as bien dit, dragon dieu. Ouais. Ouais, t'inquiète pas. C'est bon. Je suis à peu près certaine que c'est probablement un faux ouais. dieu. Ouais. Allez, viens. Il est temps de libérer mes frères et sœurs gobelins. Les quelques braves âmes ayant réclamé leur liberté ont été exilés de la montagne par Vorkanar. C'est un tyran cruel qui a asservi notre peuple et exige des offrandes hebdomadaires. Si celles-ci ne lui plaisent pas, la punition est sévère. Nous devons l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et grâce à ton aide, je pourrai enfin obtenir mon piercing de nez des BCPG. Un piercing de nez, dit-il. C'est un insigne honorifique que portent les membres titulaires des BCPG. Le conseil doutait de mes qualifications, mais je vais leur montrer. Bon sang ! L'entrée a été condamnée ! Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça n'a aucun effet ! C'est peine perdue ! Cette barrière est impénétrable. Les gobelins sont fichus. Au moins, on aura essayé. Arrête, Valentine, on va trouver. C'est une énigme à résoudre. Dans le mille et mille. Mais on vient déjà de tirer dessus et de la cogner avec des objets. Perso, je suis à court d'idées, moi. Si on faisait le tour. Est-ce qu'on perçoit de la magie? Bien vu. Les mystères de cette barrière apparemment impénétrable vous sont révélés. Vous faites quoi, du coup? On suit les faisceaux, évidemment. Je... Et deux chemins. Je reste ici pour garder un œil sur la barrière. Il y a au nud et au swag. Fais donc. Je prends les choses en main. Vous apercevez à côté. Un énorme machin bidule hyper magique. Mais, qu'est-ce qui me sort dessus? Eh, bah dis donc. Un gobelin dans un tonneau. Ça fait rien quand on tire dessus. Voilà. Je sais pas ce que t'as fait, mais la barrière est affaiblie. Recommence. Sans vouloir te vexer, cette machine a l'air trop compliquée pour avoir été faite par des gobelins. C'est hyper vexant. C'est vrai. J'imagine que
que cette maudite machine est l'œuvre de ces maudite maudits oracles trolls qui servent ce maudit Vorkanar. Il y a beaucoup de maudits, hein. Maudite magie. Ouais, maudit soit-il. C'est quoi la suite? Devant ce dresse un autre truc magique. Y a plus qu'à le flinguer. Avec un flingue? Un flingue ou autre chose. Mais j'avoue que ce serait ironique. La barrière est neutralisée! Profitons-en! Reviens vite! T'es pas obligé de gueuler oh, comme non. Ça, c'est bon, on t'entend. Calme-toi. Et quoi? Ok, on y va! Cette fois, c'est du sérieux! Calme-toi, on n'est pas là. Calme-toi. C'est l'heure de mériter mon piercing de nez! Il tient son piercing de nez. C'est vrai qu'on fait tout ça pour ça. C'est parti! Il est très énervé. Waouh, j'avoue que tu m'impressionnes. Merci. À présent, passons à la phase 2 de l'opération Vert de Rage. J'ai caché des affiches et un drapeau des PCBG non loin d'ici quand on me pourchassait. Va les chercher. Dès que tu auras les affiches, rends-toi dans la montagne et placarde-les un peu partout. Si les terres de Churme n'ont pas brisé la volonté des gobelins, ces derniers devraient se rallier à notre cause. C'est un PCBG. J'ai une petite opération annexe qui m'attend. On se retrouve plus tard. Tu vas faire quelqu'un? Ça? Ouais, il est lent. Hein. Je te donne un point pour l'effort. Voilà. Sois rapide, tu peux perdre. Merci pour ce commentaire, Jacqueline. Hé, hey, j'ai un petit truc pour toi. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Ma main dans ta gueule. Oh non, d'un gob! Une arme! Tu sais, j'ai suivi la formation des PCBG, mais j'ai jamais pris part à un vrai combat. Tu as la fougue en toi. Brandis-la, tu es prête. Oh, très bien, si tu le dis. Moi. Mais pour l'heure, on va s'emparer des cavernes pour la résistance. Hisse le drapeau des PCBG. Allez, tiens, c'est ton heure de gloire. Ne fais pas tout capoter. Arrête, ils sont aujourd'hui. Ils sont mignons. Les PCBG sont là pour vous libérer du prodigieux Vorkana. Rejoignez-nous et ensemble, nous briserons les chaînes de l'oppression. Brisons les chaînes de l'oppression. On doit libérer les prisonniers de PCBG. Mais attention, les trolls matons sont des brutes épaisses. Oh. Je te rejoins dans une seconde. Un gros. Tu t'es brute très bien. Oh, t'as réussi. Les prisonniers ah, y a un dé en face. Dans leur trou sordide. D'ailleurs, il manque mon trou sordide. Ah non, ah si. Mais la lutte n'est pas finie. Un travail de forge, oh. Ça t'intéresse? Voilà, continue de voir tout. Deux on quêtes. On passe à la phase suivante de l'opération. Ajar. Il reste encore beaucoup à faire, mon maudit soit l'homme ou le dieu. À présent, on doit s'emparer des engins de production et les détruire. Montrons à Vorkanar de quel point on chauffe. Viens, c'est par là. À deux secondes, on est sur la quête de votre copain. Je cherchais un spécialiste de la désescalade non violente. Ah bon? Approche, petit chou. Tu m'appelles pas petit chou comme ça, hein? Tu la gardes bien au chaud, d'accord, petit chou? J'essaie d'éviter la violence autant que faire se peut. On va tâcher de vous trouver une alternative sympa, une fois n'est pas coutume. Mon nom est Bench, et nous autres dans le village avons un petit pépin avec un sorcier maléfique local. Philippe Etchebetch? Badard, oh, putain. Je suis sûr que tu peux nous aider. Donne-moi 10 minutes. Que je lui explose la tronche et qu'il vous lâche la grappe. Non! Ce village a vu suffisamment de violence pour toute une vie. On veut régler ça de manière pacifique. Fais-le simplement... Ah, dès que j'ouvre un coffre, on se requête. Aucune victime. D'accord, pas de problème. Bon, bah on a 2 quêtes, là, 3 avec celle de... Lapi. Vers quoi? Corps à corps? Je suppose qu'à la fin, on va devoir affronter ce Vorkanar. Je suis tombé! Ouais, ça se pourrait. T'as peur d'affronter un dragon, Valentine? Ah, neutraliser la première machine, trouver la deuxième. De toute façon, c'est qu'un jeu débile. Quoi? 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 Pardon? Pardon? Oui. Pardon? Un pardon? Jeu débile? Retire ce que t'as dit, Valou relou. Genre tout de suite.
Ok, c'est bon, je retire. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Ça te va? Ouais. N'en fais pas trop non plus. C'est un jeu très amusant et je m'éclate bien. Et ben voilà. Et boum! Je l'ai entendu se fracasser d'ici. Oh, beau travail. Ouais, j'ai super envie de discuter, mais j'ai pas le temps. Reviens me voir. Le pont est presque abaissé. Abaisse le pont, toi. Allez, vas-y, vas-y. Ok. Le pont. Les dragons sont non mais le pont. De bec. Pont. Ah bon? Eh ben voilà marrant. Une preuve de plus que Vorkanar est un faux dieu. Pas vrai? Plus qu'une petite manip et tada! Nous devons à nouveau nous séparer. Je vais te demander de pister des boutons démolisseurs au service de Vorkanar. Vole les explosifs dont ils se servent pour creuser des tunnels miniers. Pendant ce temps-là, je vais chercher la tanière du roi gelé Frigonade. Frigonade ? Nice. Il nous faudra la puissance de son cœur glacé pour éteindre les flammes du grand fourneau. Le grand fourneau est là où les trolls fondent le minerai extrait par les gobelins asservis. Si tu arrives à le mettre à chaise, nous compromettrons leur principale source de revenus et d'armes. Si avec ça, je gagne pas mon piercing de nez, je sais pas ce qu'il en faut. Ah oui, c'est vrai que son personnage. Ah oui. Qui est la vraie révolutionnaire? Et qui est cet individu? Ah, c'est une vraie teigne. Un type super arrogant qui donne des leçons de morale à tout le monde, mais ne lève jamais le petit doigt. En plus... Je pense être sur la trace de Frigonade. Continue de récupérer les bombes. Satané traître. On va leur voler leurs bombes et s'en servir pour libérer les gobelins une bonne fois pour toutes. Nom d'un gobe. Désolé de te refaire le coup, mais je suis à nouveau dans le pétrin. Bon, l'autre. J'ai repéré Frigonade, et il m'a repéré aussi. Et il a la ferme intention de me tuer. À l'aide. C'était cruel de leur part. T'es résurrecté, c'est bon? Ah ouais. Merde, toi. Hop, un petit là. Le cœur du roi gelé. Oh, cela me désole de devoir étouffer des flammes si rougeoyantes. Oh, je me demande ce que cela augure. Écoute, la cloche de l'attroupement. Rends-toi immédiatement à l'arène des offrandes. On doit se préparer à l'arrivée de Vorkanar. Je te retrouve en chemin. Surtout, méfie-toi des oracles. J'arrive bientôt. Le conseil des BCBG me pense trop faible. Je vais leur montrer, moi. J'ai effectué quelques missions de reconnaissance et j'ai un plan. Ça devrait marcher, mais je peux pas y arriver seule. Nom d'un gobe! J'espère vraiment qu'un de ces fameux héros pointera le bout de son nez au moment précis où je voudrais mettre mon plan à exécution. Toi! Oui? Toi qui n'es ni troll ni gobelin! Dis-nous. Comment oses-tu pénétrer dans mon royaume? Putain, on a tout un harem! Je viens trancher le fil de tes jours. Bah, les petits gobelins! T'as pris du popcorn? Tu penses pouvoir tuer un dieu? Oh, tu n'es pas un dieu! Ouais. Canard. Tu devrais peut-être la fermer, toi, t'es tout seul. Hérésie! Et qui es-tu donc? Une gobeline opportuniste et mégalomane! Une machine, toi! Je suis Jar des BCBG! Ton règne de terreur prend fin aujourd'hui! Bande d'étrons verts fumants, défendez votre dieu, je vous l'ordonne. Non mais ils vont les récupérer, hein. Bien à ce niveau 16. Vous voyez mes camarades gobelins, un vrai dieu ne pourrait pas mourir. Pour tes actes de bravoure ayant mené à la liberté des gobelins, tu as bien mérité un piercing de nez. Quoi? Vraiment? Ce piercing de nez est absolument splendide.
rapide. Ouais, c'est un écrou, quoi. Ça n'aurait été possible sans ton aide. Tu le mérites sans doute plus que moi. Non, j'ai pas trop envie. Non. Non, vas-y. Au nom de tous les gobelins, je te remercie. Nous te sommes à jamais reconnaissants. À présent, je dois informer le conseil des PCBG de notre victoire éclatante. T'as vu qu'elle a de la barbe ?